Told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the pitch. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester une caméra de chez Shiwojia qui fonctionnera avec l'application Tuya ou Smart Live. Une caméra avec lentille de 5 mégapixels, suivi automatique, éclairage LED, micro et haut-parleur. Mais avant de vous en dire plus, faisons le déballage. Dans la boîte, on retrouve un manuel avec le logo Tuya, un manuel en plusieurs langues, dont le français. Un embout d'étanchéité, 4 vis et chevilles pour la fixation murale, l'alimentation en 12 volts, 2 ampères, une alimentation ultra légère qui ne m'inspire pas trop confiance, donc à voir l'utilisation et dans le temps. Une extension de câble pour alimenter la caméra de 1,50 m, une antenne de bonne qualité pour la stabilité de connexion Wi-Fi, et pour finir, la caméra. Sur le côté, on retrouve l'emplacement pour visser l'antenne Wi-Fi. Sur le devant, sous la protection, on a une lentille de 5 mégapixels pour filmer en 1616p sur du 2880. Et elle filme quand même en 24 images par seconde. On a aussi 6 LED pour l'infrarouge, pour la vision de nuit en noir et blanc. Et sur le côté, on a les 2 lumières LED pour la vision de nuit en couleur. On a les câbles composés du bouton de réinitialisation, le port Ethernet si on souhaite connecter la caméra par câble et non via le Wi-Fi. Ce n'est pas un port Ethernet POE, Power Over Ethernet, il ne sert pas à l'alimentation. Et le dernier câble, c'est pour brancher l'alimentation en 12 volts 2 ampères. En dessous, on retrouve un cache en silicone qui n'est pas fixé à la caméra par un fil de sécurité. Bon, ce qui est étonnant, on retrouve l'emplacement de la carte micro SD. On peut y insérer une carte micro SD de maximum 128 Go. Et on retrouve également un bouton de réinitialisation. À l'arrière de la caméra, on retrouve le haut-parleur. Le micro de la caméra est en façade, ce qui n'est pas une bonne idée s'il y a du vent. La marque Shiwojia est inscrite sur la caméra en façade. Mais comme on l'a vu, aucune mention de la marque sur la boîte ni le manuel. À l'arrière, on retrouve la fixation murale qu'il va falloir dévisser pour pouvoir fixer la caméra sur son mur. Procédons maintenant à la connexion. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est prendre l'antenne et l'installer pour améliorer bien sûr la connexion. Donc, c'est une assez belle antenne. Il y en a qu'une, donc là ils ont bien défini le design, ils s'en fichent, hein. Donc il y en a plein qui mettent deux antennes alors que réellement il y en a qu'une fonctionnelle. Ici c'est assumé, et ça je trouve ça sympa, c'est assumé, une seule antenne et une bonne antenne qui a l'air qualitative. Bon, après on verra ça sur le terrain, parce que pour l'instant, ça a juste l'air. Le plastique et toute la caméra et tout, l'adaptateur secteur, c'est pas très, ça fait pas très confiance, surtout l'adaptateur. C'est très très léger. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis sur du long terme. Moi, sur le court terme, ça, j'ai pas peur. C'est plutôt sur du long terme. Il vous faut aussi une carte micro SD. C'est Shiwojia. Shiwojia, en général, ça accepte maximum 128 Go, mais il n'y a rien dans la description qui me le dit, donc sinon normalement c'est 128 Go. Voilà, hop, on va l'installer après sur mon mur. Donc il faudra dévisser ici, vous avez le support qui est dans la caméra, donc c'est un support amovible, donc ça c'est bien. Donc il faut juste dévisser, puis ils l'ont préassemblé ici. Hop, on va brancher l'adaptateur secteur ici. Voilà, l'application, il faudra que vous téléchargez l'application de chez Tuya ou Smart Life, c'est vous qui décidez, c'est la même application, sauf que Tuya, c'est l'application originale, donc c'est Tuya qui crée.
C'est pour ça que vous avez vu sur le manuel Tuya, mais si vous voulez utiliser Smart Live, c'est la même chose. Smart Live, c'est juste un dérivé pour l'Europe de l'application Tuya, c'est la même, ils sont identiques. Donc une fois que vous avez créé votre compte, on va aller sur l'application. Voilà, votre téléphone doit être sur le Wi-Fi 2,4 GHz, c'est juste pour la connexion. Donc si vous ne trouvez pas le Wi-Fi 2,4 GHz chez vous, c'est possible que votre box internet est mis sur le mode automatique. Moi, je conseille, si vous commencez dans la domotique, avec caméra, etc., si vous avez plusieurs appareils connectés, c'est de vous fournir un routeur, d'acheter un routeur. C'est mieux pour la gestion de ces appareils. Qu'une fois que vous êtes connecté à votre téléphone sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz, par la suite, bien sûr, vous pouvez utiliser le Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6 sur votre téléphone, la 4G et tout ça pour accéder à la caméra. Donc ça, il n'y a pas de problème après. C'est juste pour la connexion, c'est juste pour que la caméra se connecte à votre réseau. Après, votre caméra sera sur le réseau 2,4 GHz et vous, pour accéder à votre caméra, peu importe le réseau. On va installer maintenant la carte micro SD. Vous voyez ici, donc l'emplacement, l'antilla. Voilà les connectiques ici, dans ce sens-là. Voilà, hop, on entend un petit cliquetis. Voilà. Donc ça, c'est bon. On remet le cache en silicone. Donc il n'y a même pas de système de maintien ici, apparemment. Bon, soit c'est un défaut d'usine, soit c'est volontaire. À mon avis, ici, ça a l'air volontaire, ça n'a pas l'air cassé. Voilà. Hop. Voilà, on remet bien, on regarde bien si c'est bien mis, si c'est bien étanche. Voilà. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite. Vous pouvez connecter, vérifier avec la carte micro SD et puis le remettre si vous voulez. Ici, vous voyez, je fais la connexion quand la caméra n'est pas sur mon mur. C'est volontaire, c'est fait exprès. Donc, vaut mieux faire la première connexion en intérieur et après placer la caméra qui va se connecter automatiquement sur votre réseau Wi-Fi. Vérifiez d'abord, avant d'acheter une caméra de surveillance que vous allez installer en extérieur, que votre réseau Wi-Fi, donc 2,4 GHz, passe à l'endroit où vous placez la caméra. Voilà, maintenant on va brancher la caméra. Donc je prends l'adaptateur secteur, je vais enlever ça. On branche. Donc ici, vous avez un bouton ici directement pour la réinitialisation de la caméra, qu'il faudra bien sûr refermer, sinon, hop, et ici, n'oubliez pas, ici aussi, je vous conseille aussi de mettre du scotch, vous mettez du scotch pour rendre bien étanche ces parties-là, si vous ne les utilisez pas, donc surtout ici le port Ethernet, donc mettez du scotch pour rendre bien étanche. Vous avez l'adaptateur pour rendre étanche ici le câble, parce que ça peut créer des courts-circuits. Donc faites attention à ça. Voilà, bon, on a branché l'adaptateur. Maintenant, je vais brancher bien sûr sur ma prise. Wait for connection. J'essaye de vous montrer ici, mais c'est pas facile. Voilà, donc on peut voir que c'est allumé ici. Wait for connection. Donc là, ils me disent dans l'attente de la connexion. Donc ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur le petit plus ici en haut à droite, ajouter un appareil. Wait là, for connection. On va dans caméra et serrure. Et là, on devrait trouver caméra avec projecteur. Donc vous prenez caméra avec projecteur, on connecte, allumez l'appareil, donc ça c'est fait, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes, le processus de réinitialisation de la caméra commencera. Donc on va la réinitialiser puisqu'il demande de réinitialiser. Voilà, j'ai entendu un bip, vous l'avez entendu aussi, il a été quand même assez fort. Maintenant, on attend. Donc même, je pense qu'il n'y en avait pas forcément besoin de le faire, mais bon, vaut mieux suivre les consignes.
Voilà, c'est un peu Wait long. for connection. On peut entendre le moteur quand même. C'est quand même un peu bruyant comparé aux autres caméras que j'ai Wait un peu for testées. connection. Mais sinon, ça va. Ça reste correct. En extérieur, de toute façon, on n'entend pas ce genre de son. Surtout s'il y a du vent. Donc voilà. Donc on fait suivant. Wait for connection. Lorsque la caméra a été réinitialisée, le témoin clignote rapidement. Donc ici, bon, on n'a pas de témoin apparemment. On n'a rien du tout. Pas de petite lampe LED de témoin. Donc ce qu'on va faire, on va confirmer, hein, puisqu'on a la voix qui nous l'indique. Donc là, vous êtes sur votre réseau. Donc là, je suis sur mon réseau 2,4 GHz. Donc c'est pré-rempli puisque sur l'application Tuya. Donc chez moi, c'est pré-rempli puisque chez moi, j'ai déjà connecté plusieurs appareils de chez Tuya. Donc bien sûr, l'application Tuya a enregistré mes informations. Donc moi, j'ai juste à faire suivant. Maintenant, il faut scanner le QR code. On va scanner le QR code. Donc je vais enlever ici la petite languette et je vais scanner. Accept success. Please wait. Voilà. Donc là, ils disent d'attendre. Wi-Fi connect success. Ils disent que le Wi-Fi a bien été connecté. Ici, bizarrement, ils disent j'ai entendu le bip. Voilà, mais bon, on va dire que c'est connecté. Et normalement, ici, ça devrait aller vite. Donc ici, ça a bien repéré ma caméra. Donc ici, j'ai la photo de la caméra avec ampoule, mais non, c'est pas ce modèle-là. Donc j'ai Alexa qui a reconnu. J'ai Alexa qui a reconnu la caméra également. Donc j'ai le Skills Tuya qui est installé dans mon assistant Alexa. Donc ça a reconnu tout de suite. Donc si vous voulez que ça fonctionne avec Alexa, vous devez installer le Skills Tuya ou SmartThings dans votre application Alexa. Dans votre appareil. Donc il faut un appareil avec un écran, hein, puisque sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc votre appareil avec écran, moi j'ai l'Echo Show 5 et Alexa a reconnu, on va vérifier si ça fonctionne bien avec Alexa. Donc là, je peux renommer la caméra. Si je peux, voilà. Donc je vais l'appeler, bon, trouvons un nom, disons JIA, pour Chihuahua JIA, hein, la fin, donc disons JIA. Je vais pas l'appeler cette fois-ci jardin, etc. Même si je vais me mettre en emplacement, si vous me connaissez, je mets toujours un emplacement spécifique pour bien tester la caméra parce que cet emplacement-là a assez de recul. Il est assez éloigné du Wi-Fi pour bien tester le Wi-Fi. Et il y a des perturbations d'ondes, il y a une antenne, il y a la toiture, il y a la baie vitrée, il y a plusieurs murs, donc qui ont compliqué les connexions pour les caméras. Et donc j'aime bien cet endroit-là pour bien vérifier que, même si j'ai un routeur hein, qui facilite la connexion, mais c'est pour bien vérifier que la caméra a quand même capte bien le signal Wi-Fi. Et s'il y a des perturbations de temps en temps, c'est pas trop gênant. Donc appelons-la JIA, donc je vais terminer. Je peux pas? JIA, terminé. Opération réussie, voilà. Je fais terminer. Cet appareil est un appareil de sécurité avec notification d'alarme. Pour vous assurer de recevoir la notification, veuillez cliquer sur tester pour vérifier si vous avez activé l'autorisation correspondante. Donc on va tester. L'étape suivante. Donc Oppo, Vivo, Xiaomi, terminé. Il y a un petit décalage ici. Bon, c'est la première connexion. Voilà. On va vérifier ici avant que je l'installe sur mon mur et que on se revoit. Donc pour moi, ce sera après. Je vous revois après plusieurs mois, mais pour vous, bien, c'est à la suite de la vidéo. Pour vous, c'est quelques secondes. Donc on va vérifier réglage carte SD. Donc elle a bien été reconnue. Donc utilisée. Donc je vais la formater puisque c'est des cartes mémoire que j'utilise pour plein de caméras. Donc on va la reformater, on va voir si ça se passe bien.
Voilà, bon, ça s'est bien passé, rapide, facile, parfait, pas de bug. On va regarder si on se connecte à la caméra. Donc, parfait. Regardons maintenant un peu de plus près l'application Tuya, connue aussi sous le nom de Smart Live. Tuya, c'est l'application mère. Smart Live, c'est plutôt un dérivé de Tuya, qui est l'application originale. Donc, on l'a vu lors de l'installation à la connexion. Donc là, j'ai changé un peu le nom de la caméra. Je l'avais appelé JIA lors de la connexion. Là, je l'ai appelé OJIA. C'était un peu plus simple pour la reconnaissance au niveau des assistants vocaux. Sinon, j'ai rien changé d'autre. Donc, dès qu'on clique sur la caméra, on a accès directement à la vision en direct. Mais il y a une petite subtilité aussi. Si je clique ici, il y a une petite flèche en bas ici. Vous voyez? Hop. Faut être précis. Voilà. Et là, je peux éteindre directement la caméra. Donc, je peux la mettre en mode veille. Et là, je peux aussi activer le filtre pour la détection de forme humaine. Sinon, voilà. Donc, si je veux désactiver ou activer. Donc, vous voyez, c'est sur On. Donc, c'est bien activé. Je clique. Voilà, vision en direct. Ici, vous avez ici, je peux mettre en plein écran. Voilà. Ici, je peux faire une photo. Ça va se retrouver directement dans la galerie de vos photos. Donc, sur ça, il n'y a aucun souci. Vous avez le micro ici. Ça, c'est pour. Donc, il faut tenir ici, et là, tout ce que je dis est diffusé par le haut-parleur de la caméra. Donc, je vais vous montrer. J'ai testé le micro, j'ai testé. Là, je vais couper le son. J'ai testé le micro et le haut-parleur. Donc, je vais vous faire écouter ce que ça donne en réel. Et stable, parce qu'il peut avoir des coupures, des hachures. Donc là, je suis bien proche du téléphone pour bien prononcer. Donc je parle pas non plus trop vite pour que le son arrive bien aussi, c'est pas saccadé. Je suis aussi en 4G. Il pleut beaucoup à l'extérieur, donc là il n'y a pas trop de vent, mais il pleut beaucoup. J'ai testé la caméra avec beaucoup de vent et alors entre la caméra qui réceptionne beaucoup le vent et ma caméra personnelle qui capte aussi le vent, donc on avait un gros problème à ce niveau-là, donc on n'entendait rien du tout et je pouvais pas savoir si c'était le problème au niveau du micro de ma caméra ou au niveau du micro, au niveau plutôt du haut-parleur de la caméra de surveillance. Donc là, on va voir si le son est bien clair et stable, s'il y a eu des hachures, s'il n'y a pas trop de son faible, parce que parfois le son peut diminuer, etc. Donc là, on va voir si le son a bien été projeté et diffusé. Testons maintenant le micro de la caméra pour savoir s'il est bon ou mauvais. Donc là, je vais me rendre à l'extérieur, je vais me placer sous la caméra, je vais parler. L'angle et tout, je vais le laisser comme ça. Je vais pas me mettre vraiment en face de la caméra, je vais me mettre en dessous, hein, c'est pour savoir si le micro capte bien ma voix ou non. Donc allez, il pleut beaucoup à l'extérieur. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème parce que quand il y avait beaucoup de vent, c'était impossible de capter le son, donc j'ai dû faire plusieurs changements. Mais sachez que quand il y a beaucoup de vent, vous n'allez pas ici, comme vous voyez ici, donc c'est impossible de comprendre quelque chose quand il y a vraiment beaucoup de vent, il y a trop de hachures. Ici, mon téléphone est mis en 4G, donc je suis pas en Wi-Fi, donc c'est pour simuler comme si que j'étais partout dans le monde, hein. Donc peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez une connexion 4G ou Wi-Fi. Si elle n'est pas sécurisée, bien sûr, c'est pas bloqué, vous avez accès à votre caméra de surveillance. Allez, moi je vais me rendre à l'extérieur et on va voir si vous m'entendez correctement. Donc, bien sûr, je mets le son de mon téléphone au maximum. Allez, je vais à l'extérieur et on écoute ça ensemble. Allez,
Ensuite, ici, vous avez une caméra. Bah, c'est juste pour enregistrer. Si vous voyez qu'un individu qui passe et vous visionnez par hasard en direct, ou vous avez été alerté par une détection, vous visionnez et là, vous pouvez filmer. Vous pouvez même faire une photo en même temps. Donc, ça, c'est classique, hein. En général, toutes les caméras font ça. Donc, comme ça, si vous avez en gros plan l'individu, bah, vous pouvez le capturer en direct, faire une photo et voilà. Ça, vous pouvez transmettre ça aux autorités si jamais il y a eu un souci ou l'individu ne devait pas être là. Pourquoi il fait dans votre jardin par exemple? Donc moi je trouverais ça bizarre que quelqu'un se promène dans mon jardin sans mon autorisation. Voilà, ensuite vous voyez ici, on monte. Là on a relecture, c'est pour accéder aux vidéos d'enregistrement. On a la galerie, donc pour accéder aux vidéos que j'ai effectuées, aux enregistrements. Voilà. Couleur du thème. Donc mode, je peux mettre en mode sombre ici. Ou laisser en classique. Donc si vous voulez économiser un peu plus d'énergie sur votre téléphone, vous pouvez mettre en mode sombre. Mode privé, donc ça c'est pour éteindre la caméra. Donc là je la mets en veille. Donc il y a un accès rapide, donc ça c'est très très bien. Ensuite, j'ai deux fois mode nuit. Il y a une erreur. J'ai pas trouvé comment effacer. Donc, je ne peux pas effacer. J'ai essayé d'effacer, mais bon, apparemment, impossible d'effacer en raccourci. Donc, je ne sais pas pourquoi. Même quand je fais dans modifier. Donc, dans modifier, ici, je ne peux pas le supprimer. Je peux rajouter. Donc, si j'ai vous avez d'autres. Donc, je peux. Voilà, j'ai rajouté ma prise, par exemple, ici. Je peux là l'enlever. Mais vous voyez. Les autres, il n'y a rien qui apparaît pour les enlever, c'est d'office et vous avez deux fois le mode nuit. Donc il y a une erreur dans leur système. Mais bon, c'est rien de grave. Donc il y a deux fois, donc vous avez mode intelligent. Donc là, c'est la caméra qui va gérer entre le mode infrarouge. Donc là, vous allez avoir une vision de nuit en noir et blanc ou la vision de nuit en couleur. Donc ça va allumer les projecteurs qui donneront ben, une image en couleur comme s'il faisait un peu jour. Ensuite, vous avez suivi des mouvements. Donc ça, vous pouvez activer. Dès qu'un individu va passer devant, la caméra va le suivre. Et une fois que la caméra a perdu de vue l'individu, ben, c'est très bien puisque la caméra va se repositionner directement à l'emplacement où elle était mise au départ. Et donc ça, je trouve ça super sympa. Ensuite, vous avez la détection de mouvement. Voilà, vous pouvez activer ou désactiver la détection de mouvement. Donc ça, c'est pour que ça vous envoie des alertes de surveillance. Donc si vous n'êtes pas chez vous à la maison, il y a un individu qui passe devant la caméra, bah, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone, une notification comme quoi il y a un individu qui est passé. Voilà. Donc vous allez avoir deux alertes, donc une détection de mouvement et une détection de forme humaine. Vous allez avoir les deux alertes automatiquement. Détection de mouvement, voilà. Ensuite, on peut activer les lumières LED quand on le souhaite et on peut régler aussi l'intensité. Donc si je veux mettre 17% ou si je veux mettre 100%, donc je peux régler ou 50%. Donc je peux régler correctement la lumière, l'intensité. Donc si vous voyez aussi que la nuit, l'éclairage est peut-être un peu trop fort. Ou l'intensité de l'éclairage, donc ça crée un flou, etc. Ben, vous pouvez régler. On peut même créer un horaire d'éclairage, ça je trouve ça sympa, hein. Donc on peut se servir vraiment de l'éclairage comme un éclairage intelligent. Ensuite, les messages, donc là on a toutes les notifications que j'ai reçues et on a une petite photo, là on peut me voir là, et là il dit human body, donc corps humain détecté. Voilà, là c'est mouvement détecté. Et là on voit un bout de mon pied. Là on voit qu'il m'a détecté entièrement.
Là, mouvement détecté, c'est mon pied. Direction, donc là, bien sûr, on peut diriger la caméra horizontalement et verticalement. Voilà, on a un zoom. Donc, bien sûr, c'est un zoom numérique, donc c'est pas le top des zooms. Hein. Donc, on aura toujours une pixelisation qui va se créer en zoomant. Donc, bon, c'est bien, mais bon, c'est pas un vrai zoom. Ensuite, dans site, vous pouvez programmer des accès rapides. Donc ça c'est bien, des points de position. Donc comme ça vous ne devez pas bouger manuellement avec la caméra. Donc vous programmez vos positions et la caméra se mettra à la position que vous désirez. Donc moi si je veux avoir tout mon jardin, bah, je suis obligé. J'ai fait 4 positions ici. Pour créer une position, bah, c'est très simple. Vous allez dans la direction. Donc je vais attendre qu'elle a fini de bouger un petit peu. Qu'elle se repositionne. Voilà. Par exemple, ici, je veux repositionner et voir tout l'abri de jardin ici. Donc, je fais ça. Je vais dans site. Je fais site ajouté, tout simplement. Une fois que j'ai pris la position que j'ai fait avec la direction, avec la motorisation. Et là, je mets le nom que je souhaite. Je mets test. Voilà. On a une limite de caractère. Voilà. On a. Donc, je ne sais plus. Combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a droit à 10 caractères, pas plus. Voilà, je vais mettre test. Valider, je confirme. Et là, on a la position test. Voilà. Donc, sinon, j'ai mis. J'ai pas vu de limite de position. Mais bon, en avoir trop non plus, ça sert pas à grand chose. Moi, 4 positions, ça a bien suffi, puisqu'on a déjà une image très large. Donc, on a vraiment une image bien large. Donc, ça, c'est bien. On a aussi un cloud hein, par Tuya. Il faut s'abonner, bien sûr. C'est payant, c'est pas gratuit. On a un test gratuit si on le souhaite. Sinon, je vous montre un peu les prix. Ça vous voyez. Donc le cloud c'est toujours bien hein, parce que si la caméra devient défectueuse ou la carte SD n'est plus fonctionnelle ou si un cambrioleur a détruit votre caméra, etc. Ben, vous allez toujours avoir la possibilité d'accéder aux enregistrements qui sont les vidéos du cloud. Et ça c'est toujours très bien. Voilà. Une chose que je ne vous ai pas montré, c'est la relecture. Donc je vais vous montrer ici au niveau de relecture. Là, j'ai mis en enregistrement 24 heures sur 24. Donc là, je peux remonter autant. Voilà, j'ai fait différents tests. Voilà, selon l'horaire. J'ai testé au niveau de l'infrarouge. Donc là, bien sûr, l'enregistrement s'arrête à 14h06. C'est normal. Voilà. Par exemple 22, là j'ai pas mis les enregistrements en continu. Donc, le temps que ça se connecte à caméra, la connexion, bon ça va, c'est pas très lent, c'est pas très rapide non plus, mais c'est convenable. Voilà, donc là vous voyez à des espaces, c'est que la caméra, donc elle a enregistré que quand il y a eu un mouvement. Donc j'ai fait différents tests. Voilà, donc là, mes différents tests. Après, il n'y a plus rien, etc. Donc ça, c'est pour la journée du 22, journée du 23. Voilà, sinon, on a le calendrier ici pour accéder au jour où il y a eu des enregistrements. Voilà, j'ai pas activé les enregistrements de la caméra. C'était aussi un peu les vacances, donc au mois de décembre, etc. Donc, j'ai pas forcément activé la caméra. Hop. Donc voilà, ici... Comme ça, vous avez vu que au niveau des accès au enregistrement, vous pouvez revenir en arrière si vous mettez 24 heures sur 24. Ça dépend de la capacité de stockage que vous mettez dans la caméra. Vous pouvez mettre jusqu'à maximum 128 Go dans la caméra. Avec une carte de 128 Go, vous pouvez espérer revenir en arrière jusqu'à 30 jours si vous filmez bien sûr en 1616p. Si vous mettez la caméra en mode SD comme il indique, donc vous allez filmer en
en 720p, et en filmant en 720p, vous allez tenir le double, donc vous pouvez revenir en arrière jusqu'à 60 jours, plus ou moins. Donc ici, sinon, si vous filmez en 1616p, vous pouvez revenir en arrière jusqu'à 30 jours. Les anciens enregistrements seront automatiquement effacés pour être remplacés par les nouveaux quand la carte micro SD est remplie. Allez, maintenant on clique sur les trois petits points. Sur les trois petits points, donc on peut ici modifier le nom de la caméra si je souhaite modifier son nom. Voilà l'emplacement. Donc si vous avez créé des pièces dans l'application Tuya ou Smart Live, donc si moi je veux mettre ici la caméra dans le jardin, je l'indique que la caméra est dans le jardin. Voilà, donc c'est pour ça fait un tri, hein. Donc ça, vous devez voir ce que vous voulez faire. Donc c'est compatible Amazon Echo, les assistants avec écran, mais pas que, puisque avec Alexa, via l'application, on a accès directement au visionnage en direct. Et ça, c'est rare, et c'est bien de le souligner. Chez Google, je n'ai pas de Google avec écran, donc j'ai pas pu vous tester ça. D'habitude ça marche avec un Chromecast, normalement c'est censé fonctionner, mais je vais vous montrer, j'ai eu que le son, donc j'ai eu un blocage au niveau du flux vidéo mais pas audio, donc il doit avoir un problème, donc, et j'ai pas pu vérifier si ça fonctionnait réellement correctement avec un Google Nest avec écran, donc ça j'ai pas pu vous le tester puisque j'en ai pas. Alexa, montre OJIA. D'accord. Voilà, je dis montre et pas diffuser, parce que si je dis diffuser, bah apparemment ça ne fonctionne pas ici. Donc j'ai dit montre, suivi du nom de la caméra, moi j'ai appelé OJIA. Donc on peut voir ici que déjà on entend le son, donc je peux augmenter ici ou baisser, hein. Si je veux le couper c'est via l'assistant, hein. Il n'y a pas de bouton direct, mais je peux activer le micro de la caméra. Donc ça veut dire ici j'ai activé le micro et tout ce que je dis est entendu à l'extérieur. Donc je vais le couper. Voilà. Et maintenant on va faire un test de latence pour voir s'il y a de la latence ou pas. Donc je vais me rendre à l'extérieur. Je vais vous faire un petit coucou. Et je reviens, on va regarder si je me vois encore en diffusion, ce qui arrive avec les caméras qui ont entre 4 et 5 secondes de latence. Ici on va voir s'il y a vraiment beaucoup de latence ou non. Voilà, je suis de retour, donc parfait, normalement il n'y a pas de latence, donc, ou un très 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 léger court instant, mais bon, pour utiliser le parlophone c'est parfait, parce que si vous avez un parlophone et il y a 4 ou 5 secondes de décalage, c'est pas évident pour communiquer, et surtout à la caméra, les visionnements en direct, c'est pas vraiment du direct, quand il y a 4-5 secondes de décalage, c'est plutôt du différé. Mais bon, Alexa, stop! Petite surprise sur l'application Alexa, on a accès au visionnage en direct et au parlophone. Même si vous n'avez pas d'assistant Alexa avec écran, vous pouvez directement visionner en direct via l'application Alexa. Ok Google, diffuse caméra OJIA sur la télé. Compris, lecture en streaming depuis OJIA sur la télé. Bon, avec Google, c'est très compliqué avec un Chromecast. Apparemment, le flux ne se fait pas. On a le son, mais on n'a pas l'image. Et j'ai fait plusieurs tests et tout, ça a été toujours à l'identique. Donc je ne sais pas pourquoi, et en plus on n'a pas accès à l'image sur l'application Home de Google. Donc voilà, bon, mauvais point ici avec Google et un Chromecast. Mode vie privée, donc ça c'est pour mettre la caméra en veille. Réglage des fonctions de base, je clique
Et là, on a le voyant d'état. Comme la caméra, comme on l'a vu, n'a pas de LED, donc cette fonction ne sert à rien ici pour mon modèle de caméra. Ensuite, inversion d'image. Donc si je veux retourner l'image, mais bon, c'est pas très utile sur cette caméra. Les surimpressions, donc ça c'est pour afficher la date et l'heure. Donc si vous voulez que ça s'affiche, ben, vous mettez là avec le nom de la caméra. Comme on a vu ici, attendez, je vais vous réglage fonction de base. Je vais l'enlever. Là, on va revenir au visionnage en direct et je vais revenir. Donc là, on a vu, il n'y a pas d'indication. Réglage de base, surimpression. Hop, je vais mettre ça. Et là, on va revenir au visionnage en direct. Et là, on voit la date et l'heure. Voilà. Trois petits points. Donc mode de vision nocturne, donc ça on avait vu en raccourci, le mode infrarouge hein, pour voir la vision de nuit en noir et blanc, mode couleur si vous voulez que les projecteurs s'activent, donc le mode intelligent c'est le mode, donc ici mode de vision nocturne, donc ils appellent le mode intelligent en mode vision nocturne, donc c'est la caméra qui va décider entre le mode infrarouge et les projecteurs LED. Donc en général, comment ça se décide, c'est que quand vous êtes proche de la caméra, les projecteurs s'allument. Quand vous êtes éloigné de la caméra, c'est plutôt l'infrarouge qui va s'activer. Donc c'est une logique puisque on voit plus loin avec les infrarouges que avec les LED, avec les projecteurs LED, donc avec la lumière LED pour la vision de nuit couleur. La fonction de vision nocturne infrarouge qui fait doublon avec le mode vision nocturne, l'explication c'est que à base ben, la caméra avait que les infrarouges et comme ils ont rajouté les LED pour la vision de nuit couleur, donc les spots LED, ils ont oublié de désactiver la fonction de vision nocturne, hein, de la supprimer de la caméra. Ils ont rajouté le mode vision nocturne pour la gestion du mode couleur et infrarouge, mais ils n'ont pas désactivé la fonction de vision nocturne infrarouge. C'est pour ça aussi qu'on a un doublon au niveau des raccourcis sur l'interface principale. Paramètres d'alerte de détection. Donc alarme de détection de mouvement. Donc ça, c'est si vous voulez activer les alertes, les notifications. La sensibilité, moi j'ai mis sur moyen, ça venait. Sinon, quand vous recevez la caméra, c'est mis sur élevé. Donc après, ça dépend. Si vous avez vraiment trop d'alertes, mettez sur faible. Voilà. Moi, au positionnement où je l'ai mis, ben, moi ça va. J'ai une vue assez dégagée. C'est bien mis en hauteur. Donc à 2,50 m de hauteur, donc ça c'est parfait, c'est l'installation parfaite, avec assez de recul, donc il vous faut, quand vous installez une caméra de surveillance, il vous faut mettre entre 2 mètres et 2,50 m de hauteur, 3 mètres maximum, pour l'angle de vision, etc. Donc il faut un bon angle de vision. Il faut aussi assez de recul, il faut minimum 2 à 3 mètres de recul. Sinon, vous allez avoir des problèmes au niveau des captures d'images, au niveau des individus, tout ça. Bon, quand vous enregistrez 24 heures sur 24, le problème ne se pose pas trop. Donc la sensibilité, la zone de surveillance. On peut créer une zone de surveillance. Donc là, si je veux réduire la zone de surveillance, donc si je veux recevoir des alertes que dans cette zone-là, voilà, je peux enregistrer et faire des alertes que dans cette zone-là. Voilà. Mais bon, moi, je laisse en normal, j'ai pas besoin de zone de surveillance. Filtrage du corps humain, donc c'est là que vous activez la détection de forme humaine. Ensuite, suivi des mouvements. Voilà, suivi des mouvements, vous pouvez activer ou désactiver. Ensuite, vous pouvez créer un planning, donc des alertes. Donc si vous ne voulez pas des alertes en continu, des notifications en continu, vous pouvez faire une programmation horaire, par exemple 6 h du matin, jusque vous rentrez peut-être à 17 h du soir, 18 h ou 16 h ou 15 h, ça dépend de vos horaires, mais vous faites votre programmation horaire comme vous le souhaitez pour désactiver la caméra quand vous rentrez. Déclenchez la sirène, donc s'il y a une détection de mouvement, il y a une petite alarme qui sonne, c'est pas une alarme très très puissante, donc ouais, ça sert pas à grand chose. C'est bien, il y a l'option. Ensuite, la carte micro SD. Donc moi, j'ai inséré une carte micro SD de 32 Go. Pour rappel, la caméra accepte des cartes micro SD de maximum 128 Go, ce qui veut dire que vous allez pouvoir revenir en arrière
sur plus ou moins 30 jours si vous faites des enregistrements sur 24 avec une carte de 128. Si vous prenez une carte de 32 Go et vous voulez faire des enregistrements 24 sur 24, bah là vous pouvez revenir en arrière jusqu'à une semaine, disons 7 jours, donc plus ou moins, si vous enregistrez donc un maximum de sa qualité, donc en 1616p. C'est à vous de voir, donc c'est là que le stockage est important si vous voulez revenir en arrière sur du long terme et si vous enregistrez 24 heures sur 24. Sinon, moi en général, je fais des enregistrements en détection de mouvement. Donc dès que ça détecte un mouvement, ça enregistre. Et là, 32 gigas, c'est largement suffisant. Et je peux même revenir un an en arrière avec une carte de 32 gigas. Bien sûr, selon le nombre de détections, ça peut varier fortement. Donc réglage des enregistrements. Donc enregistrement sur carte SD. Donc c'est là qu'il faudra cocher si vous voulez que ça enregistre sur votre carte micro SD. Mode d'enregistrement, c'est là que vous sélectionnez soit en continu, soit enregistrement à la détection de mouvement. Voilà, donc ça c'est vraiment vous choisissez ce que vous désirez. Vous pouvez mettre aussi une planification horaire si vous voulez un enregistrement 24 heures sur 24, mais que sur un certain horaire. Par exemple, vous voulez un enregistrement 24 heures sur 24 que de 6h du matin jusqu'à 17h du soir. Bah, vous mettez 6h, 17h et vous avez votre enregistrement, ou si vous pouvez mettre aussi plusieurs horaires, vous pouvez mettre 6h, 10h, on va dire 14h, 18h, ça dépend ce que vous voulez, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Cloud, donc le cloud, on l'a vu, hein, bien sûr, c'est payant. Donc vous avez un cloud avec intelligence artificielle. Donc là, vous avez un essai de 7 jours, et là, si vous payez, bah, vous n'avez plus le problème des fausses alertes. Notification par téléphone et notification par SMS. Ils l'ont mis. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Une fois que vous avez enregistré votre numéro de téléphone, vous avez accès au tarif. Voilà, donc c'est quand même un appel téléphonique pour vous dire qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est pas un humain, hein, c'est robotisé bien sûr, hein, c'est un répondeur qui vous appelle. SMS aussi, un SMS automatique. Et là, vous avez le nombre de notifications. Donc si vous ne payez pas pour l'intelligence artificielle, donc vous payez bah, selon le forfait, vous voulez 50 notifications, c'est 6,90€, 6,90€. Payez pour 20 SMS, c'est 3,50. Voilà. C'est vite dépassé si vous avez des fausses alertes. Vous avez une notification via votre réseau internet à vous. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de prendre ces notifications par téléphone, par SMS. Bon, c'est bien, c'est là, c'est un plus, mais ce n'est pas très utile. Notification hors ligne, hein, si la caméra, donc s'il y a une coupure d'électricité, bah, vous pouvez mettre ça, ou s'il y a une coupure d'internet. Donc, vous pouvez cocher cette case-là et ça va vous envoyer une notification comme quoi votre caméra est désactivée. Vous avez questions-réponses, vous pouvez partager l'appareil avec votre famille si vous le souhaitez. Donc vous ajoutez le compte Tuya. Voilà. Et vous partagez. Chacun son propre compte, c'est toujours mieux. L'administrateur, c'est lui qui règle tous les trucs et vous partagez vraiment ce que vous voulez. Ensuite, le micro-logiciel est à jour, hein. Il n'y a pas une mise à jour. Je n'ai pas une mise à jour, donc je suis en version V1.09.61. Donc vraiment, je n'ai pas eu de mise à jour depuis que j'ai eu la caméra. Client informatique IPC, donc la caméra chez Tuya. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez, via un navigateur web, accéder à vos appareils sur le navigateur web. Donc il faudra scanner le QR code, je vais vous montrer la fonction et vous pouvez accéder ici à la caméra sur votre ordinateur sans problème et très facilement. Yeah.
by thirst, I'm inspired by worth. Une chose également que j'ai découvert, puisque c'est mentionné nulle part, et ça je trouve ça dommage, puisque c'est un bel avantage au niveau de cette caméra, puisque la caméra est on-vif, et elle est aussi RTSP. Donc on-vif, j'ai pu connecter la caméra sur mon NAS Synology pour récupérer les vidéos et faire du visionnage en direct, donc avoir son propre cloud personnel. Donc si elle est RTSP ou on-vif, donc vous pouvez utiliser un boîtier NVR pour stocker les vidéos d'enregistrement directement sur votre boîtier, ne pas passer par un cloud ou par un serveur, donc tout se passe chez vous, et ça c'est super sympa, et c'est dommage qu'il ne le mentionne pas. Ensuite ici je peux redémarrer l'appareil, je peux enlever l'appareil. Voilà. Maintenant, si je sors des paramètres directs de la caméra, grâce à l'application Tuya et la création de scène, si je le souhaite, je peux faire en sorte d'allumer ou d'éteindre la caméra selon ma géolocalisation. Par exemple, je quitte la maison, la caméra s'allume, j'active les notifications, j'active les enregistrements, le suivi auto. Donc, je peux activer les paramètres que je le souhaite. Et si je rentre, par exemple, chez moi, je peux dire à la caméra qu'elle se met en veille ou j'arrête tout simplement seulement les notifications. La caméra peut aussi détecter un mouvement et je peux aussi, par exemple, allumer l'éclairage connecté de chez moi. Donc on peut faire vraiment plein de choses, plein de scènes différentes. Voilà, j'ai fait le tour de l'application. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Allez, passons maintenant à ma conclusion. Allez, passons à la conclusion. Je vais commencer par un gros point négatif. Comme on l'a vu, la caméra a la détection de forme humaine et la détection de mouvement. Malheureusement, la détection de mouvement n'est pas désactivable quand on active la détection de forme humaine, ce qui génère de nombreuses fausses alertes. Recevoir des fausses alertes, c'est vraiment très contraignant. Le moindre insecte ou branche d'arbre qui bouge nous enverra une alerte. Si vous ne voulez pas de fausses alertes, Tuya nous oblige à souscrire à leur cloud intelligent. Un cloud qui stockera les vidéos en ligne, mais apportera également de nouvelles fonctions à la caméra. Et le cloud avec intelligence artificielle va permettre de filtrer les fausses alertes. Et comme je connais bien Tuya, je sais que c'est volontaire d'avoir fait en sorte qu'on ne puisse pas désactiver la détection de mouvement, pour ne laisser que la détection de forme humaine. Je précise qu'on peut désactiver la détection de mouvement, mais on ne recevra plus d'alerte. D'un sens, je comprends la société Tuya, il faut bien qu'ils financent les serveurs et leur développement, mais obliger, c'est pas la meilleure des solutions, surtout que la majorité des personnes ne savent même pas que l'option d'intelligence artificielle via le cloud peut régler le problème de fausses alertes. La majorité des personnes vont se plaindre et renvoyer la caméra. Concernant la détection de mouvement, la caméra va détecter un mouvement sur 4 à 5 mètres, de jour comme de nuit, pour recevoir une alerte. Mais si vous payez le cloud avec intelligence artificielle, qui peut jouer avec la distance de vue, pour voir un mouvement, on sera sur une distance de 15 à 20 mètres. Ne confondez pas distance de vue avec détection de mouvement. La distance de vue, c'est quand on visionne la vidéo en direct et là, on peut apercevoir un individu le jour jusqu'à 30 mètres de distance. La nuit, avec les infrarouges, 20 à 25 mètres. Et avec l'éclairage couleur, ce sera sur du 10 à 15 mètres. Si on comble ce gros point négatif en payant le cloud avec intelligence artificielle, on est sur une caméra qui, grâce à la technologie de chez Tuya, fonctionne très bien. On a un suivi des personnes fonctionnelles qui suit correctement la personne, sauf si une personne se met à courir ou s'il y a un autre objet en mouvement. Comme ici, un arbre qui bouge à cause du vent qui fait que la caméra reste fixée sur l'arbre et non sur moi. Le suivi auto est seulement horizontal et non vertical, si vous ne l'avez pas remarqué. L'éclairage infrarouge est bon grâce à ses 6 LED et la possibilité de pouvoir allumer l'éclairage LED quand on veut, qui sert principalement pour la vision de nuit en couleur, est un plus. Surtout qu'on peut régler la luminosité. Ça remplace pas un vrai éclairage extérieur, mais ça reste
un vrai plus. Sans compter qu'on peut créer des scènes si on veut les allumer ou les éteindre, comme un éclairage connecté. L'accès aux enregistrements est également très simple, ainsi que la récupération de ces enregistrements et le partage. Les vidéos sont directement au format MP4, c'est moins sécuritaire mais ça évite une étape de décryptage. Les vidéos grâce à sa lentille de 5 mégapixels filment en 1616p, donc exactement du 2880 sur 1616, c'est entre le Quad HD et le QHD+. Certaines marques n'hésiteraient pas à dire du 3K. Les vidéos sont de bonne qualité de jour comme de nuit. Ça filme aussi en 24 images par seconde, alors que la majorité des caméras filment en 15 images par seconde. Les 24 images par seconde donnent une image plus fluide. La caméra est également de bonne conception. Je n'ai pas eu de problème de pluie ou de buée sur la lentille. Elle a bien résisté également au fort froid, même à moins 6 degrés. Le seul problème de conception, c'est le micro de la caméra. Il est très mal placé, on entend beaucoup trop le vent, ce qui rend la fonction de parlophone pratiquement inutile. Et comme on l'a entendu, le haut-parleur donne un son trop saturé. La caméra a une bonne finition, une bonne réception Wi-Fi, même s'il a une seule antenne. Le plastique blanc n'a pas jauni, à voir sur plus d'une année, et de toute façon, elle a été achetée sur Amazon, donc garantie de 2 ans, et pour moins de 50€, qui est un prix habituel, qui est un prix normal pour une caméra filaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Merci d'avance aux nouveaux pour vous être abonnés. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Davodorwan. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let